N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Echo News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Le comédien Christian Oliver, accompagné de ses deux filles Madita et Annick, a tragiquement perdu la vie dans un accident d'avion survenu le 4 janvier aux Caraïbes. Le drame s'est produit peu après le décollage au large de l'île de Bequia. L'acteur, célèbre pour ses rôles dans les séries Alerte Cobra et Sauvé par le Gong, était à bord avec le pilote Robert Sachs, qui avait signalé un problème à la tour de contrôle par radio. Aucun des quatre occupants n'a survécu à l'accident. Pour l'instant, Jessica Mazur, l'ex-compagne de la star et mère de leurs deux filles, n'a pas encore commenté la tragédie. La nouvelle a marqué de manière poignante le début de l'année 2024. Peu après le décollage, l'aéronef a rencontré des difficultés, entraînant sa chute dans l'océan. Des témoins présents sur les lieux ont immédiatement porté assistance. Les gardes-côtes ont également été dépêchés en urgence pour participer aux opérations de secours. Selon le communiqué officiel diffusé sur la page Facebook de la police royale de Saint-Vincent et des Grenadines, les quatre corps ont été récupérés à l'intérieur de l'épave de l'avion, puis déclarés décédés par le médecin légiste. Christian Oliver et Jessica Mazur étaient séparés au moment du tragique accident. La nouvelle du décès de Christian Oliver, également connu sous le nom de Christian Klepser, a suscité des hommages émouvants de la part de plusieurs personnalités alors que la nouvelle se répand à l'échelle mondiale. En tant qu'un des rares acteurs allemands à avoir réussi à Hollywood, il venait de terminer le tournage du film « Forever Hold Your Peace », où il partageait l'affiche avec Bai Ling, une actrice familière des Français pour son rôle dans la saga Taxi. Profondément affectée, elle a exprimé sa tristesse à travers un message poignant partagé sur ses réseaux sociaux. Jessica Mazur, la mère des deux jeunes filles et ancienne compagne de Christian Oliver, n'a pas encore fait de déclaration publique. Il est important de noter qu'elle n'est pas une habituée des projecteurs, contrairement à son ex-mari. Peu d'informations circulent à son sujet, si ce n'est qu'elle a exercé la profession de reporter, notamment à Los Angeles, comme l'indique le Mirror. Bien que discrète, elle en a été repérée à plusieurs reprises sur les tapis rouges aux côtés de l'acteur de 51 ans. En 2007, lors de la 57e édition du festival de cinéma La Berlinale, et en mars 2015, à l'avant-première du film DreamWorks Home, En route, en français, où le couple était présent avec leurs deux charmantes filles. Selon diverses sources, le couple était séparé depuis 2021.